Bonjour, bienvenue à Cuisine avec Chris et Elizabeth. Aujourd'hui, nous cuisinerons un gâteau chocolat française. Mais d'abord, je vous présente Elizabeth Perry. Elle cuisine le gâteau depuis sa naissance. Dans sa carrière culinaire, elle a cuisiné pour Céline Dion, Beyoncé, Jill Tiefenthaler et maintenant, vous. Et cet homme est Chris Maurice, c'est le meilleur critique gastronomique dans le monde. Aujourd'hui, elle est le jour parfait pour lui parce que sa nourriture favorite est le gâteau. D'accord, et vous regardez Cuisine avec Chris et Elizabeth. Pour commencer, on a besoin d'un grand bol. Lavez le bol également parce que nous ne voulons pas de microbes. Alors, mettre la farine et le sucre ensemble dans un bol. Oui. Oui, mais ce n'est pas un gâteau normal. Nous avons besoin d'autres ingrédients pour un gâteau au chocolat français. Parce que c'est un gâteau français, on a besoin beaucoup de fromage. Alors, foudre le fromage et mettre dans le bol. Oui. Après ça, on a besoin d'un croissant. Le briser en petits morceaux et le mettre avec le fromage. Oui, et n'oubliez pas le vin. C'est trop nécessaire pour ce gâteau. Mais d'abord, aurez-vous de faire tourner le vin dans votre verre et le sentir comme la France le font. Oui. Oui. Alors, les gâteaux sont délicieux et célébrés pour une raison. C'est parce que j'utilisais des ingrédients spéciaux. Et oui, et quels sont les ingrédients? D'abord, j'utilise une boîte de Red Bull. Oui. Alors, nous ajoutons le Red Bull? Oui. J'utilise des œufs aussi. Oui. C'est intéressant, mais qu'est-ce que c'est spécial avec l'utilisant de ouf? Je pense que tout le monde utilise des œufs dans le gâteau. Oui, mais je ne casse pas les œufs quand j'ajoute au mélange de gâteau. Je le laisse tout entrer. Regarde ça. Ah, c'est intéressant. Oui. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est spectaculaire. Alors, est-ce que tu veux continuer avec les ingrédients? Oui, alors, j'aime toujours mettre le guacamole et chips dans le gâteau. Alors... Oui, c'est bien. Mais maintenant, il y a un problème parce que j'ai oublié le meilleur ingrédient pour le gâteau au chocolat français. Alors, laisse-moi téléphoner à ma mère. Allons. Bonjour maman, j'ai oublié le meilleur ingrédient. Pourriez-vous me dire qui est l'ingrédient, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup. Alors, quel est l'ingrédient? C'est le chewing-gum. Oh, c'est incroyable! Ma mère l'utilise souvent. J'aime le chewing-gum beaucoup. Je prends chez un pack de chewing-gum à mon sac à dos. Oui. Ici. Merci. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, alors c'est tous les ingrédients. Nous sommes mélangés les ingrédients. Et nous sommes mettant les ingrédients dans une casserole. Ensuite, mettre la casserole dans le four pour 35 minutes. Lorsque 35 minutes se sont écoulées, le gâteau est prêt. Sortir le gâteau sur la four et préparez-vous à manger.
Merci.